Bonsoir, bonsoir à tous. Sparadrap. Salut Fred. Donc bienvenue ce soir donc pour One Late Night. Alors juste un petit conseil, je sais plus, je crois que c'est il faut que je passe en QWERTY parce que on ne peut pas changer la on ne peut pas changer la configuration des touches, donc c'est un petit peu compliqué quoi. Alors on va commencer de suite. Donc c'est un petit jeu indépendant qui est gratuit, que vous pouvez télécharger gratuitement. Donc je vous donnerai je vous donnerai le lien pour le télécharger plus tard si vous voulez tester. Alors on va bon, j'ai testé vite fait voir s'il passait quand même. Donc pas beaucoup de budget, du coup pas de voix. On va faire les voix pour vous. Alors, Linda, c'est quoi ce téléphone où les conversations sont pas dans le bon sens? Bon, c'est pas grave. D'accord, Neko-chan. Donc, c'est bien, il reste au bureau, mais il s'est endormi. Ça sert, hein, c'est franchement pratique. Hein. Devant l'écran LGE, pour ne pas citer de marque. Petit clin d'œil à la figurine Android, c'est mignon. Donc je crois que le jeu a été fait avec le moteur Unity. Alors, on va trouver les touches. Ouh, ça va pas être facile. Alors, attendez. Donc je crois que c'est Alt Shift pour passer en QWERTY. Non. Alors, Alt Maj peut-être? Je sais plus. Putain, comment j'avance? Oh là là. Non, alors attendez, bougez pas. Il faut que je trouve pour changer à QWERTY. Contrôle mage peut-être? Non. C'est pas une démo en fait, c'est un jeu entier. Mais j'aimerais bien déjà trouver les touches. Alors, FR, on s'en fout. Alt Mage. Salut. Non. Parce que s'il faut que j'appuie sur W à chaque fois pour avancer, ça va être la galère. Alors, s'il vous plaît, aidez-moi. Faut que je trouve comment passer en le clavier en QWERTY. Contrôle Mage. J'oublie toujours ce raccourci à la con. Alors, Mage plus Alt GR. Et non, c'est pas ça. Bon, on va mourir beaucoup de fois, je pense. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Je peux me mettre devant l'ordinateur. Ah, je peux me mettre sur. Qu'est-ce que c'est? Je crois que j'avais lu ça. Non, bad login. Alors, you, me. Me. Password. Échelon. Save. Hey, c'est cool ça. Alors, on va sortir de là. Non, je fais pas de FT 4, faut pas déconner non plus. Alors. Hop, échappe, non? Non. Comment on sort? Non, fous-moi la paix. Je veux bon, remettre les touches. Short sprint, shift, quit, escape, lift chair, space. Non, F1. Eh ben, ça va être pas mal. Hein. Ça va être pas mal pour avancer. Bon, alors, qu'est-ce que j'ai fait? Robert's office. Non, on s'en fout. Ben, en même temps, c'est la nuit. Il s'est barré. Qui? Merde, il y a Lyrida. Salut Lyrida! Ah, blablabla. Ah d'accord, non, en fait, il est juste jamais revenu au boulot. On s'en fout. On peut pas passer. C'est pas grave. Allez, laisse-moi tranquille. Allez. Ok. Alors, on va continuer à avancer. Donc là, c'est mon bureau. Donc, Shift, c'est... Là, c'est verrouillé.
Tu as du lag. Écoute, je sais pas. Moi, j'ouvre un placard, c'est cool. Alors, c'est vraiment pas facile de jouer avec un clavier AZERTY qui est un QWERTY. Bon, donc c'est vu que c'est un petit jeu indépendant, on leur pardonne ce petit problème. Ouh. Par contre, ça y est, ils commencent déjà à flipper. Donc, petit bureau. Qu'est-ce qu'on a? Sortie de secours. Une pluie battante. Hop. Alors. Oh, il fait un petit F5, Sarpetium. Nous avons un Windows XZ. J'espère que c'est pas une version piratée. Ah, il commence déjà à flipper, t'es, le mec il est asthmatique. Oh, c'est marrant ça. Alors. Bon, ça me rappelle pas du tout le bureau, hein. Je vais prendre la graffeuse, je vais me défendre. Ah, je peux me cacher sous le bureau. Classe. Bon. Je pense que en 1 heure, je vais pas mal crever. Alors. Oula, c'est. Qu'est-ce. Ouh, c'est bizarre ça. Je suis la feuille. Never side, I couldn't believe that face. Bon, ok. Ok, la lumière est leur point faible. Eh ben, c'est néant, Poupie. Bon, ce soir, il n'y a pas de marche arrière. Parce que je sais pas où est le bouton marche arrière. Il y a un pancake, un burger super chelou. Une boîte de conserve dégueulasse. Oui, t'as vu ça, c'est. Ouais, je pense que le héros est anémique. Mais en fait, ils sont fait. En fait, tout le budget du jeu est passé dans la fausse pub. Alors, Zucaritas, donc sucre. Il y a du Twins en haut. Bah, du Twins là à côté aussi. On s'en fout, on se casse. Alors. On va au pipi room chez les dames. Parce que le monstre ca se cache chez les dames. C'est verrouillé, ça veut dire que c'est occupé? Pourquoi pourquoi il met des chiottes, on peut faire pipi? Ça va toujours mieux après un petit F5. Alors, nous sommes dans l'entreprise web.com. Alors, Linux, PC World. Il avance un peu bizarrement. Ah, la lumière, il leur fait point faible. Allumons la lumière. Non, on va pas encore se mettre sur le PC, hein. Arrêtons de geeker les gens. Le truc qui sert à rien. Ouvrez des placards. J'aime bien rentrer le placard à balai en fait, hein. C'est mignon. Allez, accrochez-vous les gens. Un vieil écran. Non, on peut pas vraiment spray, non? C'est quoi? Attends. Pourquoi il m'a mis hide? Ça veut dire quoi ça, hide? C'est-à-dire que je peux me cacher là-dedans, c'est ça? Non? Bon. Salut Merwim! J'avance tout doucement. Mais B, ça peut pas être une bonne pub pour les développeurs. Hein. Nous avons un HP. Bon, ça doit pas être un 20 HP. Bon, allez, on va voir ça peut. Mine de rien. Hein. Bon, comme ça. Bon, il devrait y avoir un monstre quelque part par là dans pas longtemps, à mon avis, vu que je peux pas sortir. Ou alors c'est parce que je suis enfermé. Alors c'est un DY, ah ouais, c'est un HP à l'envers, pas mal. Et je veux accéder à la feuille. Je me cache sous la table.
Ok. Et il a déjà peur? Eh ben ça promet, hein. Ouais, je pense que ce soir je vais mourir un certain nombre de fois incalculable parce que les contrôles c'est pas ça. Et le clavier c'est pas ça non plus. Donc en fait si vous voulez je me sers de ces deux doigts ce soir. Un pour avancer avec W vu que c'est la touche pour avancer en QWERTY. Et espace qui me permet de sortir de la cachette. Un petit shift qui me permet de sprinter. Enfin ouais, voilà, il est vraiment asthmatique le mec, hein, parce que. Ouh, je suis à fond là. Va falloir se remettre au sport le kiki. Il va faire des bulles. Alors. Waouh. C'est fermé aussi. Le bureau qui sert à que dalle. Bon, est-ce qu'on peut ouvrir du coup le bureau? Non, c'est verrouillé. Eh ben, ça limite pas mal. Magic Nana. C'est une vieille radio. Oh! Just a box. Alors. On s'en fout. Qu'est-ce... Et je suis bloqué? Allez. Laisse-moi. Laisse-moi. Allez. Voilà. Eh ben, c'est promis ce soir. Hein. Je me cache sous le bureau. Voilà, je suis à l'abri. Oui, c'est Julien Courbet, en effet. Ah, il y a un truc dans le... Un peu de truc. Qu'est-ce que je fais? Je souffle la ventilation? Ouh, il a de l'arthrose, le kiki. Non, là, il n'y a rien. Hop, ferme-toi. Ferme-toi. Et celui du milieu? Oh, il faut la précision d'un sniper pour ouvrir les tiroirs ici. Après, le jeu est pas vilain. J'ai lu qu'il avait de très bons commentaires sur le fait que ce soit un très très bon jeu d'horreur et qu'on y revient. On y revient volontiers. D'ailleurs, les développeurs travaillent sur une suite. Alors, d'ailleurs, n'oubliez pas, mercredi soir, on se refait un versus sur Twitch, même chaîne. Et on va se latter la gueule sur du Left 4 Dead. Bon. C'est pas tout ça. Mais j'aimerais bien me casser. Oh, il est mou. Alors, je gueulais des reporters, mais bon, les développeurs, c'est pas beaucoup mieux. Non, là, on peut rien faire, on peut rien faire. C'est fermé. C'est passé par la fenêtre, non? Photocopier fesses. Ah, on va essayer. Pas quand même passer une heure dans quatre bureaux. On s'en fout de la planète, je laisse le frigo ouvert. Trouver la photocopieuse. Mission. Allez, on va courir. Il est déjà essoufflé. Oh, ils sont nuls. Ils sont super nuls. Je refuse de jouer encore à ce jeu. On ne peut pas se servir de la photocopieuse. En plus, c'est une IBM. Bon, alors on va essayer toutes les actions parce que il peut lire un bouquin, non? WordPress pour les idiots, ça va être sympa. Alors, bon, allez, on va essayer de sortir. On va casser une vitre. Nous avons le premier ingénieur champion de claquettes. Non, je veux pas me cacher, on s'en fout. Allez, casse-toi, barre-toi. On est bien sorti, Eldrick, à fuir comme une fillette. C'était sympa de jouer avec lui. On l'a pas vu souvent. Bon. Voilà. En tout cas, ils se sont fait plaisir sur le logo d'entreprise. C'est très classe. Je veux. Bon, on va essayer de trouver un téléphone, non? Non, l'alarme. Non, il veut rien savoir. Le thermostat, non? Comme ça, on enlève les t-shirts, on se met tout nu. Non plus. Alors, ah, peut-être une clé quelque part planquée. Non, pas là. Allez, deuxième tiroir. Non, hop.
Je suis presque. Allez, tu peux le faire. Non. Voilà. Génial, y a rien. Tout ça pour ça. Vous avez vu le suspense pour ouvrir un tiroir, c'est. Mon cœur s'emballe. Putain, elle est où la main? Elle est où? Non, je ne peux pas me cacher dans le tiroir. Hop, deuxième tiroir. Putain, il veut plus m'ouvrir celui du bas. Bon. Alors. On va se mettre peut-être sur le PC, voir ce qu'on peut. Ah, téléphone. Utiliser le téléphone, se cacher sous la table. Ah! Qu'est-ce que j'ai vu là? Ouais, problème, ouais. Ah ben voilà. Tu ne peux ouvrir le tiroir que quand tu es caché sous la table. Alors, eh ben il y a que dalle, génial. C'est chouette. Non, on ne peut rien faire dessus. Bon, on s'en fout. Non, je veux pas me cacher. Sérieux, le mec il est déjà en train de flipper, tu sais. Oh mon Dieu! Oh. Qu'est-ce qu'il y a? Non, pas le ménage! Enfin, ça va être vite chiant quand même si on peut pas sortir là. Si j'ai pas loupé un truc là. Hop. Et rien. En dessous, on peut pas ouvrir, on peut pas ouvrir. Les tiroirs, ils sont ouverts. Mon Dieu, mon ordinateur. Alors, mi échelon. Help. Alors, change directory, là 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 là. Alors, on va taper 4. Ok. LS. Homme. Ok. String. Non, bon. Ouais, c'est une simulation. Mais simulation de bureau en fait. Alors c'est bien, on reste dans l'univers du bureau par rapport à la semaine dernière. Alors, mi échelon, c'est bien. Ça fait comme dans Splinter Cell. Help. Alors, c'est des change directory. LS file, cat file. Donc, il faut que je fasse quoi? Save. On va essayer echo. Il veut pas. Bon, on va aimer. On va se barrer. Alors si l'un d'entre vous a déjà testé le jeu ou quoi, si ça vous on peut se barrer. Parce que là il n'y a qu'une seule ouverture apparemment. Hein, donc alors, on va ouvrir des placards, voir si j'ai pas loupé un truc, un CD vierge, non. On va utiliser un CD vierge pour se barrer. Passer par la fenêtre, non, ça passera pas. J'aimerais bien voir un monstre quand même. Parce que ouais, pour l'instant c'est flippant. Ouais. Oui, c'est flippant pour les gens qui aiment pas être trop au bureau. Voyons voir. La peur du tableau blanc. Non, c'est pas grave. La tricommande déjà balisée.
HP, ils ont peut-être été sponsorisés par HP. Papa, papa, papa. Non, toujours rien. Petite musique. GG, ouais, je sais pas pourquoi GG, mais GG. Hop. Non, y a rien. On s'en fout. On va reculer un peu. Non! Ouvrir le deuxième. C'est. Ouais, c'est. C'est une horreur, hein. Toute la journée au bureau, même le soir quand tu rentres, tu te remets au bureau. Moi, ça me ferait baliser quand même. Hein. Bon, allez, on va se cacher sous le bureau. Comme ça, elle sera contente pour ouvrir le placard. Il veut plus se cacher sous le bureau? Ah, ça y est. Et je suis passé à travers la porte. Bon, c'est un peu relou quand même pour ouvrir les tiroirs, de passer à travers les chaises. Et de passer. Non, je peux. Ah, je suis monté! Bon. C'est pas tout ça. Alors. Ah, ok, il fallait juste se prendre une tasse de café? T'es sérieux là? Bon. Ouais. Attention de ne pas renverser le café. C'est une super simulation. Ouais. Je te vois. Ouais. Ok, là c'est balisant. Ok. Quand j'ai tapé ça, ouais, d'accord. Ok. Et là, par contre, le cœur, c'est l'encéphalogramme de la grenouille. Allez. Ok, non, on s'en fout. Alors, nous ne sommes pas tout seuls. Je veux sortir de ma chaise. Voilà. Donc, il nous voit. Attention, j'ai un stylo et je sais m'en servir. Et j'ai un pouce bizarre. Ok. Et là, la porte va être ouverte, c'est ça? Non. Bon, je vais me cacher. Ah, il disait cacher là. Comment? Non. Comment tu veux te cacher? Je sais pas. Se cacher entre deux étagères? Bon. Ok. J'ai mon super stylo. C'est même pas un 4 couleurs. Voyons voir. Vous imaginez le mec avancer comme ça? Attention! Attention! Ah! Oui! Attention! Bon. Je suis armé! Je vais vous écrire sur la. Hop là! C'était quoi ça? Ok. On va se planquer sous la table, hein? Hein? Ouais, hide. Hide. Ah non, tu veux pas te cacher? Voilà. Allez, cachons-nous sous la table. Non. Rien ne se passe. Bel effet de particules. Bon. On ressort. Alors j'imagine que le jeu va être compatible avec l'Oculus Rift ou quoi. Mais je. Je me cache dans la boîte!
J'aimerais bien savoir comment ils veulent se cacher là. Bon. Alors. Là, il n'y a que dalle. Là, c'est juste pour se cacher. Alors. Petit blur effect. Bon, ça met quand même un petit peu la pression, hein. Pas de musique, rien. Fermons les placards, hein. On va être quelqu'un d'ordonné. On va pas faire comme chez Jamie là. Aidez-moi, j'ai le bras qui passe à travers le mur. Alors, toujours rien par là. On peut pas écrire sur le bouquin. 3D Game Development by Unity. Ouais, peu de pub hein, en même temps, ils leur ont fourni le moteur. La chaise est super moche. Ça fait peur. Allez, on referme les placards. Tac, tac. Et non, en fait, ils ont vraiment des goûts de merde dans ce bureau. Parce que bon. Ah, je passe à travers tout en fait. Je me demande à quoi va servir ce stylo. Est-ce qu'il y a une touche pour Interact LMB? Qu'est-ce qui message space, lift chair space, quit escape, short sprint. Oui, short sprint, oui, en effet. Ouais. Alors. Eh ben, ça fait une demi-heure qu'on joue. Il se passe pas grand-chose, non? Il n'y a rien. Là, il y a un autre mug. Ok, allez. Allez, fermons le frigo. Pas un couteau au moins? Ah, je prends une fourchette! Une fourchette, non? Bon, regarde le stylo. Ouais, j'ai l'impression, ouais, ça va faire un peu à la Monkey Island, t'sais. La poubelle. Allez, partout à la poubelle. Pas juste des céréales ou monsieur. On va refaire du café. J'ai eu assez de café maintenant. Alors. Ah! D'accord. Bon, j'ai trouvé la clé. C'est la clé de Robert. On va se casser, hein. Donc la clé dans. Ouais, enfin, à mon avis, non, parce que. J'ai utilisé la clé de Robert. Il y a eu du bruit. Ok. Ça me fout les chocottes quand même. Pas la lumière là? Lumière. Non, s'en fout. Oui, hide. Oui, hide. Voilà. Pour le coup, ouais, je vais bien me cacher. Ouais. Alors. Michelangelo. Oui, tout le monde met les clés dans les toilettes, hein. Vous avez bien trouvé. Bon, on va sortir. Oh putain! Décroche pas. Je vais être obligé. Alors. Non, je veux pas lire le tableau, c'est nul, ça va déclencher un truc. Alors. Allume la lumière. Je veux pas savoir qui parle.
Allez, on se casse. Je vais me remettre. Voilà. Hop, cache-toi sous le bureau. Parce qu'elle tape à la porte. Non? Bon, allez, on sort. Est-ce que... Est-ce que ça vous fait un peu flipper ou pas? Ou je suis le seul? Alors... Ah! Ta mère! Voilà. Voilà, là je suis bien. Alors... Téléphone s'arrête. Porte toujours fermée. Qui c'est qui appelle? Alors. Alors. Mi. Échelon. On va être sage. Ah, ok. Eh ouais, c'est du Linux. En même temps, c'est des mecs qui font du développement gratos. Mais décroche, Kiki. Allez! Ah, peut-être qu'il faut se mettre sur la siège pour décrocher. Alors. Ah, ok. Oui, Hyde. Oui, oui. Oui, oui, Hyde. Hyde. Hyde, ta race. Alors. En même temps, je suis plus en heure sup, là, je décroche plus. Alors, vu que le truc a l'air de super bien répondre, ça va être marrant. Je sens que je vais crever un nombre de fois incalculable. Allez, on va y voir. Ta 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 ta. Ta 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 ta. Je peux toujours pas ouvrir. Bon. Alors, ouais, ça a l'air légèrement chiant. Ouais, c'est un petit peu. Ben bon, après, voilà, comme je disais un peu précédemment, c'est un jeu amateur, hein, donc c'est totalement gratuit. Le gameplay est pas parfait, les graphismes non plus. Bon, c'est du, comme je disais, c'est du Unity, mais c'est gratuit. Hein, on va parler. Comme un repas, un bon repas est un repas gratuit. Non, on s'en fout, allez, hop. Donc, oui, bon, allez, il me voit. Allez. Je vais crocheter la serrure avec mon stylo. Non. Toujours pas de photocopieuse. Et l'autre, il veut toujours pas courir. Ok, on va aller dans la salle de réunion. Salut! Non, c'est caché. Hop là. Alors c'est bien parce que, alors, caché, le mec qui me voit pas là, sérieusement. Et je me déplace.
Tiki tiki tiki. C'est bien, parce qu'ils ont pris le pas qu'ils ont mis plus rapidement pour faire je vais plus vite. On peut pas changer de stylo, prendre un bambou, rien. Un magazine pour aux toilettes. On va aller retourner aux toilettes. Non, je peux plus retourner dans les toilettes. Si, en contournant la chaise. Non, c'est ouvert. Non, il n'y a rien caché dans cela de toilette. Alors. Oui, c'est la musique. Non, c'est encore mieux d'imaginer sur la musique du MacGyver, mais sans la musique. Hop là! Ok. Il s'amuse à m'ouvrir les placards. Il joue avec mes nerfs. Et le pire, c'est que ça marche. C'est un jeu tout pourri. Non, le jeu est bien. Quand j'arriverai à sortir de là. Toujours rien. Bon, bah, c'est chiant. C'est chiant. Par contre, là, je peux pas me cacher. Ah si. Hop. J'ai caché ma main dans la poubelle. Allez, hop, on sort. Oui. En tout cas, par contre, il n'y a pas beaucoup d'écart entre le. Un bureau vide, un radiateur. Y a rien, je préfère passer à travers le mur. Porte toujours fermée. Ouais, d'accord, le mec il a un Ouija dans le bureau. Ah, je peux allumer. Le mec il fait de la sorcellerie dans le bureau, tu sais. C'est fermé. Ferme-toi. Allez, on va se cacher pour ouvrir le dernier tiroir. Alors. Ah, mais ça me fait penser au bureau quand même, hein. J'aime bien le mec, il décrit des trucs. Ça a dérangé personne, hein. Alors. Toujours rien par là. Putain, non, rien, on s'en fout. À moins que il faut que j'aille sur le PC, que je tape un truc. Voyons voir. Mi échelon, du coup peut-être qu'il va trouver des trucs. 4. Non. File. Non. Help. Alors. Change. LS. Ok. Bin slash. Non. Homme. Ouh, c'est chiant. Exit, hein. Bon. Bon, à part battre du cœur et se balader avec son stylo, là, je sais pas trop. Peut bouger les chaises. Tu déménages au Japon, Poulpi? Ah oui, avec le chèque, ouais. Bon, allez, on va trouver le. Vous voyez ce que je vois? Il y a un ballon. Il y a un ballon. T'étais pas là tout à l'heure. Ah! Connard. Connard de développeur. Je vais regarder un chaton pendant 5 minutes, ça va me détendre. Ça détend.
Bon, je me sens détendu. Bon, je veux plus voir de ballon. L'autre, il veut plus courir. Oui, j'ai eu un flip, ça va. Hop. Je veux pas y aller. Je veux pas. Merde. Oh putain. Je vais me cacher. Je vais me cacher. Je vais juste me cacher. Je vais me cacher. Allez, cache-toi. Cache-toi. Cache-toi, Taras. Oui, cache-toi. Cache-toi. Non, pas sur la chaise, bordel. Voilà. Ouais. Il est au coin de la porte. Non. Ça va faire flipper. Ça va faire flipper. Je regarde pas. Je regarde pas. Je regarde pas. Je regarde pas. Je regarde le clavier. Il joue le clavier. Bon. C'est vraiment pas fait pour moi. Les survival horror. Ça va être un truc de merde. Ça va être tellement un truc de merde. Pas sérieux. Check my drawer. Ouais, enfin, c'est fermé, connard. Fermez ton tiroir. Faut que je trouve la clé du tiroir. Alors, trouvons la clé du tiroir. Est-ce qu'elle est pas cachée par là? Donc ça c'est Michelangelo. Alors, oui, la note, j'ai vu la note. Ah, est-ce qu'elle va peut-être la prendre? It's a note. Oui, mais il n'y a rien. Y a rien dessous. Ah ça y est, maintenant il a ouvert le tiroir. Tu fous ma gueule? Merci Robert. C'est ce qui était marqué. Alors, prenons la lampe torche, a flashlight. Oh putain, maintenant faut trouver les piles. Ah, ouais, c'est vraiment une simulation de bureau, hein. C'est vraiment une simulation. Moi, je crois que ce soir, on va trouver les piles. Ça sera bien. Alors, les pipiles, elles sont où, les pipiles? De quoi? Da fuck. Je vais me cacher. Non, barre-toi. Je veux juste me planquer. Allez. Je me cache. Voilà. Il est quoi? Il est nostalgique parce qu'il a une lampe torche? Je comprends pas. Bon. Non, je ne fais que de l'esprit. Ah, le bon temps des réunions. Ça me rappelle quand Jimmy a pris son cul sur le... Photocopieuse. Ça servait à quoi ça? Alors... A pas peur, a pas peur. A pas peur. Je vais récupérer des trucs cachés. Ah, godasse! Qu'est-ce
C'est game over, man. Oh putain. Ouh. Oui. Allez, c'est reparti. Bah voyez qu'on peut mort. On peut mourir. Allez, on se casse là. Alors, gna gna. Bon, ça va apparaître, blablabla. Ouais, passe le son sur le casque, quoi. Donc il est planqué dans le placard, cet enfoiré. Alors, la cuisine, les placards vont s'ouvrir. Voilà. Il y a le ballon, j'ai pas peur. Je sais où tu es. Je suis passé à travers la porte, je prends le ballon, voilà. Ouh. Allez, hop. Tac, on passe par là. J'ai pas peur. Je me console. Ah, c'est bien de vous lire quand même, hein, parce que voilà, vous foutez. Alors, ta-ta-ta-ta. Alors, qu'est-ce que vous pensez? Bon, voilà, ça avance un petit peu. D'accord. Hello. Bon, on va se barrer. On va se barrer. On va se barrer. Voilà, on va se cacher. Tac, c'est parti. Ouais. Allez hop, oust. Allez. Ouais, c'est ça. La durée de vie change directement. Ouais, c'est cassé. Mais qu'est-ce qu'elle fout dans ce bureau en même temps, tu sais? Comment prendre deux univers complètement différents Alors, si on mettait le Titanic dans l'espace? Ouais, ça va être un super scénario. Alors, tac. Alors, j'aime bien parce que le mec te dit quand même la lumière est ton ami. Mais il te file pas de pile avec la lampe torche, tu te démerdes. Allez hop, un flashlight, mais il n'y a pas de. Donc il faut trouver les piles. Bon. Du coup, les piles vont apparaître quelque part maintenant. À tous les coups. Ah, il signe R, oui, de Robert. Robert! J'ai pas vu ce tiroir là. Ils s'en font plaisir avec les photos, les gars. Moi, je m'en fous, je vais pas dans là-bas. Je me prépare à avoir peur. Alors, ce fantôme de Rugal. Fantôme de Rugal, c'est pas dans King of Fighters, ça, Rugal? Non, moi celui-là. Alors. Il est dur, hein? Alors, allez. Allez, voilà, fausse. La technique pour ouvrir le tiroir. On se cache dans le tiroir et on se cache dans le sous-bureau. Ouais, ça file envie de mettre les doigts dans la prise quand même. Hop, il y a quoi? Il y a un cahier. T'es pour toi qu'il y a un truc dans le tiroir, on peut pas le prendre quoi, sérieux? Ouais, pourquoi?
Pourquoi il balise là pour rien? En fait, il fait de la tachycardie, je pense. Ça s'allume pas. Ça veut pas s'ouvrir. Alors, ouais, par contre, il devrait embaucher un photographe. Hein. Et pile. C'est des as du rangement. Ah tu. Et prends la pile. Duracell. La pile qui brille comme le soleil. Et je vais me planquer sous le bureau. Comment on fait pour utiliser la lampe de poche? Alors. Et il nous reste 10 minutes de live pour ce soir. Allez, on va retourner au bureau. Tu vois qui m'attend là-bas? Ce gros con. En fait, c'est son patron. Je te vois. Tu glandes, travaille. Alors. Heureux, ça, non? Alors, les événements sont un peu aléatoires, j'ai l'impression. Donc. Là, y a rien. Donc, on disait. Alors, par contre, j'ai l'impression que tout à l'heure, les piles n'étaient pas là. Hein. Bien sûr, hein, les piles sont pas toutes au même endroit. Et l'écran, c'est pas terrible, hein, cet effet de poussière sur l'écran. Quel est ton film d'horreur préféré? Alors, je crois que des fois son cœur s'arrête. Hein. Allez, cache-toi. Allez, cache-toi. Voilà. Parce que maintenant les piles apparaissent, bien sûr. Hein. Ben j'ai pas essayé, j'ai répondu. Alors, là y a rien, là y a rien. Donc on va pas aller dans le placard à balai. Ok, on va te laisser tranquille. Ok, on va te laisser tranquille, je disais. On va allumer la lumière. Ouh. Ça me fait penser à ça le téléphone. Alors je sais pas, je me rappelle plus de cette scène dans ça. Je l'ai regardé quand j'étais minou. Je l'ai revu il y a quelques années. Ça fait plus peur du tout. Salut fidèle. Bah tu arrives au moment où ça fouille les tiroirs. Alors on va se cacher. Ouais. Donc leur expérience c'est pas mal hein. Ils ont compris une partie des trucs du survival. Par contre ouais, il y a encore un petit peu de boulot à faire sur le gameplay. Parce que c'est pas tout à fait ça. Alors par contre ce que je vais faire c'est que je vais sauvegarder vite fait. Tac, allez. Allez. Non bon je tourne au bureau pour sauvegarder. J'ai trouvé la deuxième pile. Alors. Allez, au lieu de faire tourner la pile, voilà. Puis qu'il y a peu de batterie. Oui, je veux utiliser la lampe torche maintenant. Je veux utiliser la lampe torche. Lift chair, skip message, skip. Nanana. Short print. Short sprint, ouf là. Bon, je crois qu'on va finir la partie sans avoir utilisé la lampe, c'est sympa. Et on va se barrer sans voir le fantôme de la cuisine.
Allez, petite sauvegarde. Je regarde pas, je regarde que devant. Alors, les voix fantomatiques sont étranges. Heureusement, en même temps. Bonjour, je suis le fantôme. Alors, mi. Oh ouais, mon billet. Échelon. Save. Voilà. Non. Putain de merde. Bon. Oh, ok. Ouais, c'est toute une ma gueule là, c'est ça. Et la lampe torche, elle sert à quoi, bordel de merde? Bon. Là, la porte, elle est fermée. On ouvre la porte. Ouh. Ok, ça c'est quand le monstre arrive en fait. Bon, c'est bien de ne pas pouvoir. Je peux même pas zigzaguer ni rien avec le gameplay. Alors. Bah oui, c'est oui, éclairer quelque chose, mais je sais pas comment on l'utilise donc. Je sais pas, il est pas loin. Bon. On va pas tarder à s'arrêter. Cherche un téléphone. Hein. Il est pas loin, ce gros bâtard. Tintin, tintin. On va aller dans une salle bien éclairée hein, pour décrocher. Pas décrocher là? Ah, je peux pas décrocher tous les téléphones non plus quoi. Il ne peut plus nous arriver d'affreux maintenant. Allez, on va essayer de décrocher le dernier coup de fil avant de se quitter pour ce soir. Bon. Bon, c'est fini. Tout décroché, I see you, ok, je sais. Allez, décroche. See you, voilà, bon. T'es pas là. Bon. Allez, trouvons la dernière pile. Alors, eh ben non, on va se quitter là, les amis. Et on n'aura pas trouvé la dernière pile. Bon, je suis désolé. Il fallait que je teste. Ah, bon, un petit coup. Il fallait que je teste pour ce soir. Il n'y aura certainement pas de deuxième live là-dessus. C'est à essayer quand même. Ah, je pense que faut le faire. Alors, allumer la lumière. Il faut le faire. Une bonne expérience. Pour un jeu gratuit, il faut pas se priver. Hein. Donc, comme je disais, je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo. Et puis, d'ici là, on se revoit mercredi soir pour un prochain live. Et donc, prochain live, on retourne au Versus sur Left 4 Dead. Il y a une lumière qui s'éteint derrière moi. Hein. On se retrouve sur un prochain Versus sur Left 4 Dead.
Et puis la semaine prochaine pour un nouveau jeu. Donc restez branchés, je remettrai l'adresse pour mercredi soir. Donc 2 heures de live. Et puis passez une bonne soirée. Je vais rester encore 5 minutes sur le chat si vous voulez encore blaguer. Et puis on va couper le jeu. Bye bye les amis!